les virages, ça tient super bien la route. Je suis même impressionné. C'est vraiment génial. On a une liberté totale, un champ de vue. On vole. On a quand même de la chance d'habiter ici. C'est pas dégueulasse. On peut rouler. Voilà, la première chose à changer sur le Monkey, je sais pas si vous voyez, c'est les rétroviseurs. Je vois que mes bras dans les rétros, c'est une catastrophe. C'est comme si ça sert à rien quoi. J'aurais mieux fait de pas les mettre à l'arrière. Du Tannereau. Ah, ici il y a beaucoup de cyclistes. Il y a beaucoup de mimosas au mois de février. La Mecque du mimosa, le Tannereau. Allez, je vais me diriger sur Saint-Cassien-des-Bois. Je vais vous montrer une petite rivière. C'est super beau, la Siagne. L'idéal sur ce genre de DFCI, c'est d'avoir des crampons. Des pneus avec des crampons, c'est quand même mieux quoi. Voilà, je vais retrouver la route. Un peu plus loin. Voilà, je reprends la route principale. Et direction Saint-Cassien. C'est vraiment un plaisir avec un Monkey, ça suffit largement au niveau de la vitesse, on se régale, c'est vraiment bien quoi. Pas besoin d'accélérer, c'est du bonheur ces petites motos, franchement je me régale. Bon, celle-là je la fais souvent en vélo d'habitude, je l'adore en vélo. Il n'y a pas trop de voitures, c'est calme dans les bois, c'est superbe.
arrive à Saint-Cassien-des-Bois. Je vais prendre vers la droite, là-bas il y a une petite chapelle. Il y a une petite rivière très jolie en bas. Salut YouTube, c'est Steph. Alors voilà, je vais vous parler de ce que j'aime et ce que j'aime pas. En gros, alors ce que j'aime pas, il n'y a pas grand chose. À part les rétros, c'est une catastrophe, comme je disais dans la descente. Je vois dans les rétros, je vois que mes bras, quoi. Donc ça a changé. Ben sinon, en critique, il n'y a pas grand chose. Il n'y a rien à critiquer, c'est fabuleux. C'est un vrai régal et peut-être la fragilité de ça, parce qu'il s'est tordu, alors peut-être c'est un peu fragile, mais bon, des conneries quoi, des petites conneries. Sinon c'est fabuleux quoi. Alors j'avais mis un pot à Krapovic. J'avais trop de bruit. Je l'ai enlevé il y a quoi, il y a 3 semaines. Je passais dans la rue d'Antibes à Cannes et franchement ça fait trop de bruit, les enfants, les poussettes, c'est même pas la peine, je me suis fait arrêter. Et sur la carte grise c'est donné 78 décibels et j'étais à 96, c'était énorme, donc je l'ai enlevé et c'est dommage parce que c'était une double sortie, le Krapovic sur le Monkey, il était vraiment beau, il me plaisait. Mais trop de bruit. Donc je reste avec ça. Chapelle de Saint-Cassien des Bois. Putain, mais la flotte qu'il y a, mais c'est impressionnant. Oh là là. Ah ouais, c'est blindé là, je vais aller descendre. C'était une chose que sûre, on va pas manquer d'eau.
Les blindés. J'avais oublié, l'avantage d'un monkey, c'est ça, regardez. Ça, c'est un avantage, ça. Ça, c'est top, ça, c'est génial. Voilà, encore un point positif du monkey. On n'est pas aux Maldives, mais on n'en est pas loin quand même. La couleur de l'eau, ça envoie du pâté, quoi. Oh putain. C'est magnifique. On a la chance d'avoir beaucoup d'eau, mais vraiment beaucoup par rapport aux autres années. C'est magnifique. Thank you.
ce genre de terrain, les crampons sont les bienvenus. Bien sûr, c'est quand même mieux avec des petits crampons. Genre enduro. Voilà, juste avant, je vais me prendre un petit trou. Bah, je suis allé en butée de la fourche. Bon, voilà, ouais, c'est pas du 180 mm. Hein. Voilà, c'est pas la fourche de mon vélo, ça c'est sûr. Ouais, sinon, pour rouler comme ça, c'est parfait. Quoi. Se balader, prendre des petits chemins, ça suffit. C'est pas une moto de cross, hein, ni d'enduro. Hein.